Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine commence. Yay! On commence à voir les navires panasiates, forcément qu'ils débloquent. Salut Axcan, salut Tyranno. Ouais, je vous ai vu les petits coquins. Bravo, voilà. Hein, on se défonce pour vous et tout, et résultat, voilà comment vous nous remerciez. Non mais je comprends. Non mais voilà. Zut, zut. Enfin voilà. Bon, plein de choses, bien évidemment, cette semaine. À commencer par demain, une soirée spéciale avec la sortie donc, du nouveau DLC pour Crusader Kings. Oui, tout à fait. Je vais évidemment accepter ton aide. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Donc évidemment, on va pouvoir un petit peu tester ça. Il n'y a pas de problème, bien évidemment. J'ai ma petite idée sur la civilisation que je vais prendre. J'ai mon idée. Petit indice, il y aura des éléphants. Un éléphant, si tout se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est la première chose très très sympa. Du coup, en fait, la contrepartie, c'est que du coup, mon planning... un petit peu chamboulé et faut quand même que je continue à faire mes aventures romaines. Il va quand même falloir que je réussisse à trouver un créneau pour les caser. Donc je pense que ce que je vais très vraisemblablement faire, hop, voilà, c'est faire des sessions où il y aura un petit peu de Crusader et un petit peu d'Expedition Rome, vraisemblablement jeudi. Voilà. Donc demain, full Crusader avec évidemment le fameux giveaway. D'accord, ok, Axcan, je comprends. Je comprends. Donc, voilà. Donc, giveaway, au choix, hein, soit une copie du jeu, soit une copie d'extension, ça va dépendre. Et jeudi, je pense que ça sera vraisemblablement, voilà, c'est ça, un mélange Crusader et Expédition pour avancer quand même un petit peu dans l'histoire. Voilà. Autre élément. En plus, ce qui se passe, c'est qu'on a bébé en ce moment qui fait la comédie, qui à peu près toutes les 5-10 minutes, pendant 20 minutes, va nous appeler parce qu'elle veut faire un truc, elle veut changer de truc. Voilà. C'est son mauvais sympa de voir, je sais pas. Ah, ok. Et du coup, voilà ce que je vais recevoir comme nouvelles émotes. Voilà. Donc, une icône donc, classique. Qui salue hein, bien évidemment peut-être l'inverser quoique ouais non c'est pas mal donc voilà une icône traditionnelle hein, donc je lis bah, parce que c'est normal hein, c'est aussi mon boulot j'aime bien en plus raconter des choses donc voilà et évidemment celle du milieu je sais pas encore je la trouve très très drôle voilà parce que donc, je voulais une icône donc Panda Deus Vult. Et du coup, je ne pensais pas qu'ils allaient faire ce genre de casque. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce casque? Est-ce que ça marche? Ou est-ce que vous préférez le casque plus classique? Donc, voilà, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, en tête, au départ, j'avais vraiment le casque classique. Mais je me dis, après tout, ce casque est assez drôle. Ouais, pour le panda, c'est plutôt. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, on se demande comment. C'est les clignotants. Comment va-t-il? Salut Lucas. Donc voilà, je me demande comment il a fait pour pouvoir mettre son casque, hein, bien évidemment. Mais voilà. Donc ouais, je suis assez content de ces emotes. Donc voilà, je pense que je vais leur dire, je finalise la commande. Et donc si tout se passe bien, je les reçois demain. Voilà. Et après, il faut qu'elle soit validée par Twitch, mais ouais, je pense que la troisième, c'est enfin, la première et la troisième, c'est totalement ce que je voulais avec le petit nœud du foulard. En fait, j'en avais envoyé la fameuse photo sur Amazon où on avait justement le mannequin avec le petit bonnet et le petit foulard. Donc, ils ont repris l'idée du petit foulard. J'adore, j'adore.
Donc ouais, c'est plutôt bien fait. Donc voilà. Voilà, c'était pas tout à fait ça que j'avais en tête, mais ouais, ça marche pas mal. Ça donne un petit son, un petit décalé. Rebonsoir Diamond. Donc voilà, ouais, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Regarde, merci beaucoup pour ton resub Coyote. Et du coup, Coyote, tu vas pouvoir choisir le navire que tu veux jouer. Sachant que tu en as un qui était exclusivement réservé en plus. Il y en a un qui était exclusivement réservé. Et pourquoi ça ne s'est pas annoncé? Je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, les alertes ne fonctionnent pas. Donc je ne sais pas trop. Donc, il n'y a pas de souci, madame. Les cheveux touchent l'eau avec la cuisine. Ouais, je crois que ça doit venir de par là, effectivement, Terrano. Donc voilà, donc Coyote, dis-moi ce que tu veux. Pendant ce temps, moi, je file rejoindre le Discord parce que je pense que les deux autres doivent m'attendre. Et le Terrano, comment vas-tu? Salut, ça va et Voilà, toi? ça va très très bien. Oui, c'est un chouïa le son. Mais ouais, voilà, je suis assez content de ces émotes. Sont pas mal. Et là, c'est comment vas-tu? Donc voilà. Bon, Coyote ne me demande pas de navire, on va en profiter. On va faire ce qu'on veut. On va regarder l'émission. Parce que du coup, voilà, moi j'ai quasiment terminé. Ça s'est pas annoncé. Pourquoi il y a peu l'alerte? Oh, je suis frustration. C'est tout chelou, tout bizarre. Voilà. Ouais, les émotes sont chouettes. Ouais. Franchement, j'ai fait un bon choix quand je voilà, quand je me suis adressé à quand je me suis adressé à eux. Allez, on va devoir partir en T6, hein, bien évidemment. Puisque du coup, on m'a demandé, il l'a demandé, on va partir en Allô? CV. Voilà, on va partir en CV. Allô? Oui, Allô? on t'entend très bien. On t'entend? Voilà. Allez, c'est parti. C'est bien, mais c'est assez bien de me faire commencer très très fort. J'ai l'impression que l'API Streamlabs déconne un petit peu. Parce qu'en fait, même tu vois, enfin, même Coyote, son sub n'apparaît pas sur mon écran là-haut. Il est un peu chelou. Donc, hop, voilà, c'est parti. Aussi peut-être que je fais ça. Parfois, vous savez, faut pas trop. Est-ce que ce serait à cause de ça? On va voir ça tout de suite. Parce que je crois que ma femme, en fait, a fait un later. Ma femme a fait un nettoyage, en fait, et du coup, il est fort possible qu'elle m'ait enlevé plein de choses. Là, normalement, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Voilà, on verra ce que ça fait après. On est un chouïa plus fort pour la musique. Voilà. Ok, et voilà. Hello Caps, comment vas-tu? Alors, on est full T6, ça c'est très bien. Non, il y a des T5. Ah oui, pardon. Effectivement, il y a même un chouïa de T5. Ouais, je vais rester là où je suis. Et c'est parti. À vos postes. Zou. Let's go. Let's go. Oh, et merci Tikazu pour Je ton t'entends, resub. mais très faiblement. Ça fait très très plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Les alertes ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai monté le son. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mon Ça son. fait très très Ah, plaisir c'est bon. Tikazu. Et du coup, voilà, si l'alerte box est là, donc elle devrait fonctionner. Quoi? Ça ne fonctionne pas, les alertes. Oui, non, pourtant tout fonctionne. Moi pas comprendre. En tout cas, merci beaucoup Tikezu pour ton resub, ça fait très très plaisir. Hop, putain, je suis spoté, évidemment. Comment vas-tu? Voilà. Et du coup, Tikezu, tu C'est vas bon. pouvoir choisir également un navire. Voilà. Forces ennemies détectées. Voilà. Et pouc.
Allez, c'est parti. Chasseur en vol. On approche de la cible. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et évidemment, j'ai raté. Complètement raté la cible. Voilà, vous avez tué les avions, c'est bien. On va pouvoir partir. Oh, mes alertes en marche, je suis très 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 frustré. Je pense que ça va fonctionner après. Voilà. Donc n'hésite pas, hein, Kikazu. Alors, ça apparaît quand même bien 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 paqué, ça va être un peu compliqué. Mais au moins, j'ai fait partir le Vesteras. Oh, il y a le Ranger. Il y a Hermione Ranger. Voilà, c'est ça. Chasseur détruit. Attention, c'est parti. Oh, ça va piquer sur le Devontae. Le pisse. Oui, non mais attention. Oui, non mais je sais, Coyote, que je partais uniquement. Je sais. Mais là. J'étais parti uniquement avec ça au départ et voilà, en fait j'ai voulu tenter un drop. J'ai voulu tenter un drop avant que mes escadrons soient totalement détruits. Voilà. Et du coup, on va P. Oh, il y a un petit Repulse. Il y a le petit Repulse, donc je vais aller sur P. Allez, c'est parti. C'est parti. Bah ouais, je sais. Moi, je vous CV. Ai-je honte ? C'est pour moi qu'il arrive à les jouer. Perdu un. Ok. D'accord. Oui, c'est un CV français, tout à fait. C'est le Béarn. C'est le seul pour le moment. Perdu quoi ? Voilà. Trop tôt. De dégâts là, sur le pulse. Ah, c'est pas commun, non, effectivement, c'est un premium. Il est unique. Allez, on va repartir avec ça, parce que ça fait l'autre, comment vas-tu ? Pas grand chose pour le moment. Mais le Ripple, c'est parti, et c'est déjà ça. Ils sont en train de me complètement liquider de l'autre côté, donc je vais aller voir. Je vais aller voir ça. C'est pas normal que le Ripple puisse passer comme ça, comme ils le veulent, quoi. Alors, le Texas, attention, parce qu'il a la DCA. Je sais pas si c'est encore très puissant, le Texas maintenant niveau A. C'était le cas avant, hein, bien sûr. Alors le célèbre, je peux pas, on va perdre notre Yanwei, mais comment il s'est foutu là, le Yanwei? Comment il a fait pour se foutre là? Je n'en sais rien. Ah.
Bim bim. Évidemment que de l'overpen. Enfin, j'ai plus une pète, c'est déjà ça. Un petit peu derrière. Hop, on est reparti à la paix. C'est parti. Ok, on a liquidé le Ripples. Bien, c'est déjà ça. De l'autre côté, vous tenez. Ouais, vous tenez. Je vais essayer d'aller d'aller aider sur les autres là-bas parce qu'ils sont en grosse, grosse infériorité numérique. Leur Nicolas s'est spoté. Bon. Je vais aller sur B, moi. Là, ça sert à rien que je reste ici. Non, ça sert à rien que tu restes. Voilà, donc on va continuer. Hop. Comment allez-vous tout? Voilà, le célèbre. Chasseur en vol. Pourquoi je suis à la paix? C'est la façon célèbre. Va y passer entre le Bayern et le Texas. Le Königsberg, il est évident que je vais faire de l'overpen. J'ai entendu des schtonks. Des non-peines, c'est la fête. Je visais mieux avant. Ah, quand même, enfin une cita. Première cita. Bien. On va perdre le Normandie et on a tout perdu de l'autre côté. Ça va être compliqué là, ça va être très très compliqué, mais on va quand même essayer. Chasseur en vol. Arriver à porter. En vol. Voilà. Et donc maintenant, on va y aller. Ascap, tu t'occupes de Nicolas ? Ouais, j'ai essayé de toucher. Bim bim. Là, je vais coller un petit hit. Bah ouais, normalement, non, c'est pas la question de celui qui soit plus facile à coller au niveau des citadelles. Ah, il va se bitcher. Voilà, ça c'est fait. Et bim. Allez, le Königsberg, c'est parti. Je l'ai raté, zut. Je l'ai raté. Je vais continuer sur le Texas. Pourquoi nos gars sont en train de foncer comme des gros imbéciles droit devant? Regarde notre Derflinger. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc on va essayer. Malheureusement, ça va être très compliqué pour moi. On va voir ce qu'on peut faire. Hello Berk, comment vas-tu? Voilà, ça c'était à prévoir. Donc, double cita. Allez, on y va. Je suis un petit
petit peu concentré parce que jouer CV, ça demande certes de savoir cliquer. Et d'ailleurs, le complètement raté. Hop, on va partir avec les bombes. Compliqué, va être compliqué. Pilotage automatique activé. Évidemment, donc je vais essayer d'aller taper le Texas. Alors non, pas du tout, bien, pas du tout. C'est Coyote qui me l'avait offert, et donc il vient de Risse, donc il a le droit de me le demander. Vous pouvez arrêter de shipper mes cibles. Allez, on va aller sur le Derflinger. Je dois faire attention parce que je vais sûrement être au spot à un moment ou à un autre. Alors, il fait quoi le Derflinger? Il nous fait ça comme ça. Ok, donc on va monter, on va descendre par le côté. On va descendre comme ça. Donc voilà. C'est du mauvais côté, du coup, donc tu devrais faire demi-tour avec ton CV. Je suis en mouvement, mais n'oublie pas, hein, je suis. De toute façon, là, je suis de côté, donc. Voilà. Donc, ça va être. Pilotage, ça va faire mal. Désactivé. Ça va faire mal, ça va encore. Ça va encore. Ça va moins bien. Mais bon, le problème c'est ça, c'est que du coup ils sont tous effondrés là maintenant en l'espace de moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Donc du coup ça va être un peu compliqué maintenant. Ah mais il est pas mauvais hein, le BR, il est pas bon, mais il est pas mauvais non plus. Allez Coco. Allez. Attention. Bim. Moi aussi je peux te faire des dégâts. Non mais. Je sais pas si je vais réussir à le choper jusqu'au bout, hein, bien sûr, mais. Si j'arrive à choper le Mackensen, déjà, ça va bien m'aider. Allez. On y va. Je peux y arriver, hein, je peux y arriver. À fuir à 19 nœuds, c'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. On peut le faire. Ils sont à combien les autres là-bas? Ouais, le Derflinger là-bas est assez mal. Voilà. Allez. Alors, tu veux nous faire ça comment, toi? Tu vas nous faire ça comme ça. Ça va bien. Je vais avoir du mal à fuir. Je vais avoir beaucoup de mal à fuir. On peut le faire. On a bien détecté par l'ennemi. La bataille se termine dans 5 minutes. Double feu. Donc là, normalement, il a un star-rep. Voilà, il a un star-rep. Point de cheminement atteint. Tu te barres. Et... on va ça. Voilà, et là c'est un feu perma. Là, malheureusement, non, il a raté. Ça va, je suis pas mort. Ah le Vastiras. Ah. Ça va être très compliqué.
Bim. Sur le point d'emporter. On peut le faire, on peut le faire. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Oh. Regarde qui c'est que j'exploite. Attends, je suis occupé là, je suis occupé. Bonjour, bonjour, Lian. Ouais, mais il y a le Devonshire aussi. On a coulé un destroyer ennemi. Je l'ai quand même eu. Oh oui, effectivement. Piggy. Piggy, Piggy. Voilà, donc on peut faire des choses. On peut faire des choses. J'ai quand même coulé 3 navires. 3. Aïe, aïe, il tourne. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, mais... Hop, le Devonshire est là. Ok. Alors, c'est le Numex. Oh là là, ce qu'il vient de recevoir, là. Allez, Numex, tu peux le faire. Si le Devonshire passe derrière l'île... Faudrait qu'il sache viser, Numex. Il est visé un petit peu trop derrière. Du coup, il se fait déboîter par le mec, par le Devonshire. Et bim, oh là là, ça fait mal, ça fait très très mal. Il se fait déboîter. Oui. Ouais, ouais, c'est correct, hein, 65. Dommage, dommage, dommage. C'était ce qui aurait pu nous permettre de gagner la partie. De sortir le Devonshire. En vrai, après, il reste 30 secondes. Le Numex peut le sortir. Il le sort et c'est bon. Hein. Il le sort et c'est bon. Allez, Numex. C'est le moment. C'est le moment. Vas-y. C'est toi potentiellement le héros de la partie. Tu es le héros de la partie. Allez. Yes. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Bravo. Bravo, bravo. Partie tendue, mais bien. Bien, 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 bien. Ah, ce revirement. C'est beau. C'est beau. Voilà, c'est des parties comme ça qu'on veut. Attention, attention. Il va arriver un moment, il y a des granges, on va se mettre à flamber, il faudra pas demander d'où ça vient. Ouais. Oh, 2000, ça sent les bonus de cap, ça. Ça sent les bons bonus de cap, ça. Voilà. Ouais, 3 caps, hein. Donc, voilà. Ouais, donc, on peut... Voilà, ah, d'accord, par contre, le ranger, pas bon. Pas bon. Pas bon du tout, là. Vous voyez, avec un minimum, si on essaie de comprendre un minimum les mécaniques de jeu, on peut faire des trucs, mais en étant un gros noob en CV, hein. Parce que j'ai pas beaucoup de parties en CV. Oh, tout de suite. Un super conteneur, 1500 acier. J'ai demandé des pavillons. Hein. Ouais, non, aussi, regarde, moi aussi je te demande des pavillons. Et. Eh ben non, ça. Là. Hello, Japlou, comment vas-tu? Bah du coup, Tikazu ne m'a rien demandé comme navire, donc je peux dire que je suis déception, mais d'ailleurs ça me fait penser, Coyote, je vais te mettre, j'en profite pour mettre tes points, tout de suite, aïe, Japlou, bien rester au lit là, bien rester, hein. Il faut vraiment rester au lit, allez, Coyote, hein. Profitez. 1, 1, 100,
Et du coup, du fuseau. Ok, c'est parti. On va partir en fuseau. Et du coup, ensuite, petit Ezou. Voilà, qui récupère aussi ses points. Voilà. Ok, c'est fait comme ça. Voilà, voilà. Allez, on va partir en fuseau. On va rester en T6. Ça, c'est toujours pas bien, très pratique. Hop, voilà, un petit fuseau. J'ai les pavillons. Hop. On va voir un petit peu. On va pas dire je suis rouillé. C'est pas possible. Je ne peux pas être rouillé. Pas en fuseau. J'ai mis au point. Comme ça, vous êtes à jour. Vous risquez d'ailleurs. Merci en tout cas, Demon. Merci. Merci, merci. Allez, c'est parti. Hop. Gardez vos points parce que vous pouvez en avoir besoin demain. Puisque demain, donc, pour la sortie du DLC Crusader Kings 3, avec encore plus de personnalisation. 6, 7, ça va. Je ferai gagner une copie du jeu. Ou pour ceux qui ont déjà le jeu de base, je fais gagner une extension. Attention, c'est un jeu pour lequel on peut très vite ne plus voir le temps passer. C'est la même map. C'est bien. Oh, attends, et on a un pay fast incroyable. Il y en a encore. C'est incroyable. Effectivement, ouais, sur PC, le bout de Yoni n'a pas. Eh oui. En vrai, sérieusement, Fubuki et Belfast, ils peuvent largement tenir ces. Rien qu'à eux deux, ils peuvent tenir. Hein. Si le gars, c'est un minimum joué. Si c'est un minimum joué. Ah, le Belfast. Ah oui, si, le Belfast, tu pouvais l'avoir pour Noël, quoi. Donc il suffit que ce soit quelqu'un qui a. Voilà. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Das war ein großartiges Gefecht. Ok, me revoilà. Désolé. Alors, un Leningrad. C'est pas banal non plus. Pour le moment, rien. Ah, je suis spotted. Ici. Une scène. Oui, bah oui, classique. Ah zut, il est plus visible. Là, par contre, il est Kubuki. Leningrad, je vais pas l'attraper. Essayer d'attraper le Fubuk. Il est reparti en marche avant. C'est le bébé qui fait encore des signes, du coup dans le temps de repartir. Ah, le Normandie qui m'a eu. Saloperie. Ah oui. Alors on a déjà perdu la Katsuki, hein, ce qui est. Allez.
Et on a perdu le Kubuki. On a des très bons destroyers. Très très bons destroyers. C'est très compliqué. Parce que du coup, on n'a plus de spot, on n'a plus rien. J'ai eu un schlank. Je pense que... Voilà, on y va. Et Logoer, mais oui, bientôt l'anniversaire, exactement. Et je suis désolé, les alertes ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ce soir. En tout cas, merci, merci beaucoup, Logoer, pour ton resub. Et du coup, bah, tu as un navire gratuit. Et merci, merci. Deuxième crash du jeu et plus d'interface. Oh là là, ça fait mal ça. Mais j'ai eu un souci avec mon bot. En fait, il veut plus se connecter tout à l'heure. Je ne sais pas. En ce moment, il y a des trucs. Bim bim, oui, très bien. Et c'est tout ce que j'ai eu. Ah, une déception. Oui, 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 Goer. Bah oui, quand tu resub, tu as un navire gratuit. De navire gratuit. Dans la limite, évidemment, du raisonnement. Alors. Allez, on va descendre. Sur Yu, il peut avoir un boost reload de taps. Bim bim. Le Shiratsuyu, il peut avoir un reload de taps. Oh, un Bayard. Oh, bah, écoute, ok, c'est noté. C'est noté. Je sais pas. Voir si j'ai progressé. Tempo Kara, Gurren Sekin. On y va. C'est noté, Goer. Je mettrai tes points après. Et là, il va falloir pousser. Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a que... Youl Belfast, il est là-bas, Belfast. Parce qu'il y a plein de destroyers devant nous. Et voilà. Bonjour. Voilà. Classique, hein, classique, classique. Voilà, là, les destroyers s'en donnent à cœur joie. Ok, donc il y a le Belfast qui a claqué son radar pour rien. Dommage. C'est compliqué, très compliqué. Et écoute, on va voir quoi. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même avancer. Une overpen et deux ricochets. Je suis déception. Grosse, grosse, grosse déception. Voilà, plus Mackensen. Bien. Après, le problème, ça, c'est qu'on a un Prince Henry qui est tout seul face à un bus. Hop là. Ça, c'est fait. Voilà, donc on a perdu le Prince Heinrich de l'autre côté. Il faut bien que je m'en prenne une à un moment. Voilà, on va laisser couler. Je vais attendre, donc on va recharger complètement. Shiratsuyu qui veut vraisemblablement utiliser son reload boost. Ouais. Je pense qu'il est en reload boost, le Shiratsuyu, et donc je suis mort. Ouais, il est en reload boost. Il est en reload boost. Grave erreur de ma part. Pong pong pong. Voilà. Grave erreur de ma part. Grave erreur. Mais bon, après. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en arrière, mais à ce moment-là, ça sert à rien parce qu'ils sont, ils ont les points, ils ont les caps. Au bout d'un moment, faut pousser. Et c'est très, très, très mauvais, très, très mauvaise partie pour moi. Je reviens juste dans un instant.
Et moi, je vais juste en profiter du coup. Je vais aller sur. Là, je vais aller voir Terrano. Voilà, qui est au milieu. Voilà, hop, en attendant. On en a gros! Ouais, t'imagines, je suis meilleur en Béarn, c'est clair. Du London après. Ok. Donc il va y avoir du Bayard, puis du London. Alors, je regarde. Voyons voir pourquoi ça marche pas. Il est enabled, oui. Il y a ce qu'il faut. Oui, et ben je vais faire save setting. Voilà, et peut-être que ça devrait refonctionner maintenant. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Oh, hello Mani, comment vas-tu? Et merci beaucoup pour l'heure. Désolé, les alertes ne fonctionnent pas. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a rien qui marche ce soir au niveau de mes alert box. Moi je vois tout qui apparaît, mais il n'y a pas d'animation. Voilà. En tout cas, merci Mali, ça fait très plaisir. Comment ça s'est passé ton stream de ton côté? J'espère que ça s'est bien passé. Salut Mali. J'espère que ça s'est bien passé. Oh, c'est une déception. J'ai rien qui marche, je ne sais pas pourquoi. Ce soir, l'ordinateur me dit non, il veut pas. Je pense que c'est le Twitch parce que j'ai eu un problème avec l'API. Je dois lancer trois fois mon bot avant qu'il me dise c'est bon, tu peux te connecter. Vraiment sympa les bagarres à faire. Je pense pas, tiens, on va peut-être s'en faire après. J'ai deux demandes de bateaux à faire. Et après, je vais faire des bagarres, tiens. Je n'en ai pas encore fait. Ah oui, je m'étais dit, ah oui, c'est le truc qui a été supprimé. Non, ce qui a été supprimé, c'est les batailles asymétriques. Excusez-moi, je ris. Mais je vais essayer, tiens. Très longtemps, je n'en ai pas fait de bagarre, j'en ai fait il y a un moment. Je vais en faire, tiens. Une bonne idée, très très bonne idée. En tout cas, bienvenue à tout le monde, hein, bien sûr. Bienvenue. C'est une très mauvaise partie en fuseau que j'ai réalisée. Très mauvaise. Vous seriez arrivé avant. Je suis pas trop mal débrouillé en BA. Voilà. Et voilà, on va. Oui, c'est ça, voilà, le co-op asymétrique. C'est pas grave. Incroyable. Katsuki en direct, mais c'est magnifique. Hop, on partira en Bayard en T8. Voilà. Voyons voir ce que ça va nous donner. Non, mais c'est pas vrai, en fait. J'ai rien qui marche en fait, parce que je regarde aussi par rapport à nos alertes. J'ai rien qui marche. Je pense que c'est Streamlabs qui doit être en PLS. J'ai rien qui apparaît. J'ai rien du tout par rapport à tous les events. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Pour ton nom, ça va, tout va bien. Je vais faire hop, un petit restart de la session. Non, ouais, c'est Streamlabs qui est en PLS. Donc je ne vois malheureusement rien. Je vois tout qui apparaît sur mon Twitch, mais malheureusement aucun. Oh, c'est dommage. Dommage. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas planté. Allez, donc voilà. Ça va, vous arrivez à ne pas trop souffrir? Ouais, ça va. Je navigue. La partie de était bien parce qu'elle était super tendue. Là, celle-là. Un peu décevante. Heureusement, les sons fonctionnent. Oui, tu as tout à fait raison. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zone. C'est exactement ça, Colette. C'est ça. Faut y aller à la zone. Team Crado, incroyable. Il est encore là, lui. Je crois qu'il va l'estimer. Il a rempli visiblement. Alors, est-ce que tu vas y arriver, Terrano? En parlant de pro, évidemment c'est pro streamer. Hop, j'ai donc pour tous ceux donc qui sont arrivés entre temps, c'est les nouvelles emotes que j'ai commandées. Ouf, oh, on a vu Terrano faire boule. Les nouvelles emotes donc que j'ai commandées et qui devraient vraisemblablement arriver demain. Je les trouve assez sympas.
le petit coucou, voilà, le petit Deus Vult, casque un peu original pour le Deus Vult, mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait bien bien plaisir de voir ça. Du coup, il nous reste Axe 4. Non. Là, c'est... Hop, voilà. Ah, attention, on a Nicarus qui va aller faire un coucou. Il va aller faire le coucou à Ismaël, il va aller faire le coucou. Attention. Je suis pas sûr de faire grand chose. Attention. J'ai déjà cramé presque tout. C'était pas mal, Ismaël. Je crois que. A pu. Marche plus. Je vais profiter aussi du coup pour aller mettre, pour donner les points à Goer. Currency, voilà, hop, Goer, c'est parti. Et du coup, voilà, comme ça c'est fait. Tac. Bon, je pense que là tu vas pouvoir tirer ta révérence là. Là on est bon. Ils sont quoi déjà les bagarres? C'est 2 contre 2. C'est 2 contre 2? C'était pas 3 contre 3? Non. En T7. Ok. Ouais, on va faire les deux demandes là, donc Bayard et London, et après on essaiera de voir si on peut se faire une petite bagarre. Ouais, je te laisserai avec Axe 4. Ok, quand je vois à quel point je n'ai rien fait et je termine là, tu te dis l'équipe. Juste pour rire, l'équipe. 36 000 de dégâts, je suis deuxième, j'ai 36 000 de dégâts. C'est pareil, j'ai fait 36 000 de dégâts. Pareil. C'est ça. Ah, bah, c'est ça, c'était la dernière saison qui était en 3v3. Allez, du coup, on va partir en T8. Petit croiseur français, on va voir si j'ai progressé. Bon, après, la dernière fois que je l'avais sorti, là j'étais bâtière, je l'ai mise d'ailleurs sur YouTube. J'ai pas si mal géré avec ça. On va faire la div française. Ouais, une div française, monsieur. C'était pas si mal comme partie. Donc on peut. Et je pense que j'arrive encore à faire des trucs avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaie de. Ok, pas de soucis, Damon. En tout cas, merci d'être passé. Le Bayern est meilleur que le Gneisno. Je vais. Parce qu'il a une tourelle de plus. Ah, je crois que c'est pour ça. Est-ce que c'était pour ça? Attendez, je teste les widgets. Sébastos Fig, merci pour le sub. DC atteste. Sébastos Fig, merci pour le sub. DC atteste. 4 CV, mid-tier. Pourtant, ça marche. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Mid-tier. Ok. Avec du Soyuz Musashi. Ça va piquer. Ça va picoter, ça va. Donc, pourtant, ça marche. En tout cas, au revoir, Demon. Et merci d'être passé. Donc, ça marche. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Moi pas comprendre. Voilà. Alors, un petit fantasque, c'est parti. Est-ce que le Bayern est meilleur que le Gneisno? Et le Xerox qu'on a tué. Le gros souci du Gneisno, c'est qu'il n'a que 6 canons. Mais à part ça, j'aime bien ce qu'il est bien rapide. Il est sympa.
Est-ce que... Après, il est quand même vrai que 8 canons plutôt que 6, ça aide à la régularité quand même. Peut-être un léger avantage, ouais. Peut-être un léger avantage au Bayern. Allez. Allez. J'admets. J'admets. On est tout seul, hein. Oui, non, mais on, nous avons les navires. Ah, ça n'a rien à voir, c'est clair. Rien à voir en termes de gameplay. Et justement, le Bayern est peut-être un peu plus confortable. On a quand même des navires capables de fuir. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va nous, ce que ça va nous donner. Voilà. Buffalo. Off, il est tout seul. Mais ce qui est quand même gênant, c'est qu'on ne voit absolument rien d'autre pour le moment. Allez. 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 Là, je le prends. Oh, man. Oh, bonjour, man. Attention, il y a un Malbro. Brooks s'en va pour guerre, environ terre. Booste des moteurs activés. C'est moi ou bien dans tes torpilles? Il est en train de vouloir se moquer le Buffalo. T'as touché ou t'as pas touché? T'as pas touché. T'as pas touché. Ok. Allez, on y va, on va redescendre un petit peu. Celui qui va vraiment m'embêter, c'est le Musashi. Ok, donc le Buffalo qui s'en va. Buffalo, je peux le contrer en fuyant. Il avance. Je suis radar. Il avance. Petit feu sur le Buffalo. Très bien. On y va tranquille. Ah, Musashi, oui, un tir de 9-5. Tant qu'il y a le Buffalo qui me vise, le Malbro qui me tire dessus. Ça va. Allez, on va essayer d'aller farmer un petit peu. Le Malbro. C'est parti. Ah, je passe à deux qui me visent maintenant. Oh bah non. Bien joué. Du coup là, il y a le Buffalo qui va essayer de me tirer dessus. Ça c'est le Musashi. Voilà, le Buffalo. Buffalo, ça tient. Il est dans la course de mes tempes encore. Ah non. Non. Rêve pas trop, rêve pas trop. Tout va bien, tout va très bien. Ils vont pas me laisser caper tranquille. Non, mais ils veulent pas. Petit feu sur le Buffalo. Donc tout va bien, tout va très très bien pour le moment. J'ai vu la vie du Buffalo défiler devant ses yeux. Petit feu sur le Malbro, très bien. Le Malbro a éteint son feu. Donc si tu lui colles une inondation, c'est tout bénéfique pour toi. Bah écoute, hein, c'est parti pour. C'est parti pour. Non, je laisse à 7000. Le dernier est trop loin pour moi. Inondation. Ah non. Attention, Musashi. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Attention, ça va piquer. Ça va, ça pique pas trop. Tout va bien. Allez, incendie. Vu.
Double incendie. Je peux coller des incendies moi aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ah, mais j'ai pas vu que j'étais sur la... Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne faites pas, ne partez pas sur la barrière, la bordure de l'âme, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah ouais, j'ai pas vu. Donc. Quelle indignité. Complètement, exactement, Goer. C'est une véritable indignité. Parce que du coup. Qu'est-ce qui me dit de... En fait, il y a quoi? Il y a que Malraux. Je ne sais pas ce que fait Musashi en fait. Aïe. Ah bah si, bah du coup, bah si, le Musashi est ici. Hein. Attention, ça va piquer. Ça. Ok. Alors maintenant, on va bouger. Et aussi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Allez, on va voir. Là, ce que je fais, c'est pas bien. C'est pas bien. All stations, concentrate fire on the target. Je crois que le Musashi m'attend. Musashi m'attend. Je comprends pas trop la technique du Musashi. Et aussi, merci beaucoup, beaucoup pour ton resub. Et je suis désolé, mais les alertes ne fonctionnent pas. J'ai fait le test, hein, vous avez vu, l'alerte fonctionne, l'alerte test, elle fonctionne, mais ça marche pas. Ça marche pas. Merci beaucoup aussi pour ton resub. Ça fait très très plaisir. Voilà. Et du coup, bien évidemment, tu as toi aussi un navire gratuit que tu peux me demander. Voilà, je suis reparti. Ah, mais il n'y a plus Buffalo. J'ai besoin de points, j'ai besoin de dégâts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la honte, c'est honteux. De flanc, je vais faire. Ouais, ouais. Deux protections anti-torps, une autre. Ah oui, non mais ça, il veut pas, hein. Moi, j'en sors toujours en prendre. Un petit marceau ? Allez, un petit marceau. Voilà, allez, prends, s'il te plaît, laisse tes feux brûler. Laisse les feux brûler, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Tu veux... 3h30 détectées. Je suis déception. Je suis grosse déception. Donc après, il va y avoir du London, et ensuite, donc, un petit... Un petit marceau. Il laisse brûler. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand il laisse brûler. Oula. Oups. J'ai vu le bar au loin là. Oups. J'ai cru voir un marqueur. Voilà, il brûle encore. Oui. Pour que tu brûles encore. Non, tu ne brûles plus. Eh ben, t'en bouge pas. Bouge pas, Coco. Voilà, tu ne brûlais plus, tu brûles maintenant. Et tu brûles encore. Bah ouais. Voilà. Parce que j'aime quand ça brûle. Je suis là pour vous réchauffer en hiver. Du coup, évidemment, je n'ai pas forcément beaucoup d'XP parce que je m'acharne sur un pauvre Musashi. Oui, mais enfin quand même. Ah, oh, il a réparé, il est trop mini. Il est trop mini. Voilà, et du coup, bah oui, bah maintenant je t'ai remis un feu. Bah oui, il fallait pas réparer, mec. Oups. Tout va bien. Tout va bien, tout va très très bien. C'est pas moi qui l'ai eu. Oh non, zut. La victoire est à notre portée. Allez, on y va tranquille, on y va. Alors il y a toujours un Atlanta quelque part.
Okay. Là, j'en ai eu du bol. Hein. Il a fait un tour de bras, il est passé entre les gouttes. Il a plus de vie, 1400. Oh bon, on est pas prêt de le revoir, à mon avis. Ouais, non, on ne le reverra plus. Surtout en haute mer. Là. Ah si. Non, il est là. Ouais, je l'atteindrai pas. Je ne l'atteindrai pas. Ah, le kid et le Richelieu. Oh là là, où il est feu, où il est feu. Attends. Oh, le kid il est mal. Non, mais mes yeux. Ouais, on a vu, on a vu, on a des moteurs désactivés. Allez, on va se placer correctement. Il y a un petit riche au milieu. Il y a tout le monde qui s'éloigne de moi, je peux rien faire. Hop, voilà le Richelieu. Ben voilà, appui Richelieu. Allez, on y va sur un Soyuz qui est beaucoup bien. Là, si on peut former encore un peu de dégâts. Parle-moi un peu les dégâts. Ils ont pas commencé. Il fallait pas tirer sur l'Atlanta, fallait fermer les dégâts, les gens. Oh. J'ai rien fait de la partie, mais moi j'ai rien. Je te jure. C'est... Non, c'est pas bien. C'est moi j'ai fait ma game. Hein. Toi t'as fait ta game, t'as fait ta game. Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je suis frustration. Voilà, je le dis, c'est comme ça. Alors, je vais donner les points à Sib. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Mais du coup, j'aimerais savoir pourquoi les alertes marchent pas. Alors, attends. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est peut-être ça. Peut-être ça qui était déconnecté. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Voilà. On verra bien. Du coup, on va passer en T8. Et... pardon, T8 en T6. Non, oui. Si, London, c'est le T6. Voilà. Un navire, mais que je joue, mais tellement pas. Merci, Jablo. Merci. Merci. On va partir avec... C'est du gros qui est libre, hein, de mémoire. Ouais, c'est du gros qui est libre. Donc le Belfast, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, on va prendre un 10 points, ça suffira largement. Alors, c'est tout simplement, en fait, Coyote, c'est la musique du jeu Mass Effect. Voilà, tout simplement. On va recharger plus vite, ça sera pas mal. On va charger. Oh, oui, de toute façon, ouais, c'est un premium, ça ira très bien sur les CV. Amélioration. Non, on va prendre ça. Alerte de tir. Il a un soin, donc on va prendre ça. Voilà, tout simplement. Et c'est un jeu, ok, il faudrait quand même que je termine, enfin, que je termine ce jeu quand même à un moment ou à un autre. Qu'il est totalement équipé. Donc c'est parti. Bah, au bout d'un moment, il y a pas mal de musiques qui finissent par se ressembler. Ouais. Hop. Ou déjà le London. J'ai oublié. Tellement ça prend la poussière ce machin. Donc on est mid, quelques T7, ah, un petit peu, c'est parti. Oh, un ramat en face. Alors, donc, j'ai une smoke, très bien, j'ai des soins, ok, j'ai de la torpille, ok, on va partir en truc comme ça. Ok, très bien. Une portée anémique. Voilà, je suis à 13 km 3. Et c'est 1 ouais, seconde, ok, c'est du 203. Ok. Merci. Désappé pas trop mal aussi, je crois. Voilà, ok, c'est parti, on y va. On y croit, tout est possible.
On va. Doublette de Mackensen, donc ils peuvent potentiellement vouloir pousser. Je vais du côté de la Tsuharu de mon côté. Voilà, on y va. Ouais, bah c'est amusant parce qu'il n'y a rien qui est renouvelé. Il est bloqué à sur ce qui s'est passé il y a deux jours. Je regarde. Je vais reload tous les widgets. Non, je suis bloqué sur ce qui s'est passé il y a deux jours. Bon. On va quand même essayer de voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne, parce que c'est un peu dommage. Ah tiens, Cib, regarde. Cib. Ça, c'est ce qui va arriver dans pas longtemps. Voilà. Faut que je fasse un tri parmi les émotes que j'ai. Parce que du coup, évidemment, il va falloir que j'en enlève. Je vais les garder en réserve, en bibliothèque. Mais voilà, ils sont très 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 sympas. Alors, le Colorado qui va là-bas, ça c'est très bien. J'aime quand ça ne va pas de mon côté. Un Ashitaka. Non, par contre, Ashitaka, je n'aime pas. J'aurais préféré le Colorado à l'Ashitaka. Pour m'avoir envoyé un Colorado sur la tronche. Je préfère que ce soit l'Ashitaka quand même plutôt que le Colo. Ah, ouais, quand même. Tiens, peut-être dans les modes de bits. Ouais. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Celle qui est en Elo, il est évident que je vais la mettre en émote normale, hein, bien sûr. J'ai l'air de dire. Ils sont de saluer, bien sûr. Mais je pense qu'il y en a. Oh. Les crottes, il y a le Ramat. Ouais, on va pouvoir commencer à déployer les smokes là. Mais ouais, c'est une idée, tiens. Effectivement. Smoke generator activated. Il n'y a pas gardé d'info. Oui. Smoke screen set. Sérieux là. Arrêtez là. Ça commence à faire beaucoup là. Et toi. Chut. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bim, 4006. 4. 3. Ça fait un peu mal aux oreilles au bout d'un moment. Original de jouer son Königsberg DD Torpilleur. DD Torpilleur, bah écoute. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a roche, il a largué les torpes de chaque côté. Le T qui arrive là-bas. Captain Atomsk, Atsuharu. Oh, c'est quoi ces overpen? Pas du tout le blindage des Asiates. Hop. Le Shitaka qui arrive. Non, je suis pas là. Non, mais je suis pas là. Je suis pas là, messieurs. Le Hatsu, pourquoi le Hatsu fait ça? Pourquoi il cherche automatiquement à être agressif? C'est quoi ces overpen là? Je sais pas, je n'arrête pas de l'overpen. Je le suis spot, okay, donc bah, là ça va commencer à pleuvoir. Oh bah. Ah bah oui, bien sûr, ça va faire. Bah voilà, ça c'est fait. Et il a pas largué de torp, bizarre. Il y a le Ramad qui est là. Ils sont tous de votre côté. Hein. Non. Tu crois? On est juste 5 qui me visent. Tout va bien. Je suis plus visible. Incroyable.
tout va bien. Tout va très 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 bien. Je suis spoté, il y a quelqu'un. Hey, il est prêt. Et ça se moque là, mais... Je mets l'hydro. Piti piti. Je mets l'hydro. Ah. Terra noir. Attention. J'ai vu. Bon. Voilà. Ah, voilà. Il est trop loin. Ah. Le blas, il est là. Il est là. Mais de face aussi, mais là le fait qu'il m'ait fait tourner avec ses dents. Il est là. Bim. Aïe, et voilà. Bim. Ça c'était à prévoir. Tu bobo. Non. Non, non, vous arrêtez. Vous arrêtez ça immédiatement. Je vous demande de vous arrêter. J'ai eu très très mal. J'ai eu très 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 mal. Le voilà. Bim bim, non mais. Par l'autre côté, hein. Je vais l'aider de l'autre côté parce que là. Il est là. Il est par là, il est par là. Donc on va voir un petit peu ce que ça veut. Bon bah j'ai rien dit, j'ai réussi à toucher. On a une petite Ashitaka, c'est polisson. Le problème il est là, c'est qu'on a un T61 qui va venir caper et on ne va rien pouvoir faire. Ouais, moi il faut que je termine le Colorado, je peux pas le laisser. Ouais, ouais, il faut terminer le Colo, ouais. Vous devez terminer le Colo, mais impérativement. Bon, il a fini de nous traiter 10 jours, lui. Ah, moi je l'ai bloqué, bon, direct. Juste en noir. Non, mais les deux. Ah, normalement, je me remets sur le mid. Pour me mettre un petit peu de distance par rapport au destroyer, parce que sinon je vais avoir du mal. J'ai une minute avant ma prochaine smoke. Moi je passe côté, je sais pas où est-ce qu'il est le destroyer. Ouais, je pense que la Katsuki est en train de remonter par l'autre côté. Ouais, je pense, ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir tirer et essayer d'aider. Moi je suis pas spoté donc. Mais je peux pas, hein. J'ai encore 30 secondes avant ma smoke. Il y a les mines Bertin qui arrivent. 26 secondes. Ils sont tous en train de remonter vers leur base. C'est peut-être le bon moment pour remonter. Hop là, désolé. Ah, ça a fait ça. On va essayer de... Un petit truc, on y va. Limite Bertin est hors de vue, donc ça c'est bien. Ouais. Je vais remonter. Ah, je suis spot. Je ne suis plus spot. Interesting. Je vais aller sur Limite Bertin. Parce que je pense que le T61 va aller. Va aller sur notre cap, sur notre base. C'est pas, je vois pas les choses se passer autrement. Ah, je suis spot. Voilà, hop. Smoke generator activated. Ah oui, non, mais ça, au bout d'un moment, on peut pas faire grand chose. Torpedoes direct front. Torpedoes direct front. Smoke screen set. Ça va être très compliqué parce qu'il y a le Mackensen qui arrive de l'autre côté derrière. On va voir ce qu'on peut faire. Ah non, le T61 est remonté de l'autre côté, d'accord. Je fais attention au Mac. Bah la 4 soutien en fait, il peut t'inquiéter, c'est
Oui, non, mais ça, je sais qu'il peut torpiller ma smoke. Ah, les overpen. Et merde, c'est juste spot. Donc, il est juste. Bim, voilà. Torpedoes dead ahead. Torpedoes dead ahead. Torpedoes to port. J'ai eu très très chaud. Bon là 5000, hop, je me soigne parce que sinon je vais avoir très très mal. Voilà. Foutu Mackensen quand même. Foutu Mackensen. Allez, 2008, je peux y arriver, hein, je peux faire quelque chose. Ça fait mal quand même, j'ai quand même très mal aux fesses. Je vous le dis tout de suite. Voilà, 78, ça y est, ok. Donc, la Katsuki est sur la cape. Au moins, on sait où il est. Face aux autres. T61, j'étais un peu coincé. Voilà, là, au bout d'un moment, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. The enemy team has taken the lead. Je peux pas. Il est où notre DD, Suharu? Suharu, il a essayé de défendre la cape, quoi. Mais c'est pas évident, hein. Pas évident. Pas évident quand on s'est retrouvé, en fait, à 3, en fait, à défendre tout le side. On peut pas faire grand-chose. Le célèbre qui fait un rush tout droit. Ça fait mal, ça fait mal. Je veux pas voir, je veux pas voir. Ça fait très très mal. Ça fait mal au cœur. Bon, du coup, je vous laisse faire quelques parties de bagarre. Oh, j'ai encore du marceau à faire. Ah. Oh, du marceau. Suite à la demande de Sib. Après, bon, on essaiera là. On essaiera la bagarre. Ouais, 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 c'était pas brillant. Alors, on va pouvoir retourner au port. Hop. Allez, c'est parti. Mais ouais, donc, en ce qui concerne les émotes, voilà, là, c'est les provisoires, elles sont pas encore tout à fait terminées. Et je pense que je vais valider là. La demande. Voilà. Donc, hop, du T10. Alors, le marceau, pas forcément à l'aise avec. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hop. Marceau. Est-ce que j'ai les pavillons qui vont avec? Non, bah non, bah, bien sûr que non, évidemment. Où est-ce que j'aurai les pavillons qui vont avec? Ouf, j'ai plus de pavillons anti-déto. Excusez-moi. Ça va être drôle, je le sens. Paf. Voilà, hop. Tac et tac. Voilà, on est bon. Allez. Ok, let's go. Shima Alsace. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? J'ai mon Twitch qui fait n'importe quoi. Alors, Mino, peut-être Radar, Riga. Super navire. Il est avec un Summers. Le Mino est avec un Summers, donc il y a de bonnes chances pour que ce soit un Mino radar. Enfin, le Summers c'est un DTT. Donc ouais. Ça va piquer, ça va picoter sévère. Attention. À vos postes. Après, on va voir. Alors, je suis pas localisé, donc je vais faire le tour de A. Ah, on a un Sherman.
C'est pas grave, Max 4. ça vaut quoi le Sherman? C'est la première fois que j'en vois. Hein. Aucune idée. Il y en a un qui. Il y en a un qui parle Klingon. C'est incroyable. Le Sébastopol, là, c'est quoi des lois? Ouais, c'est, mais ça, c'est mon prochain navire, ça. Ah oui, c'est Bast. Alors, on va partir un petit peu sur l'extérieur. C'est un peu le frère du Petro, c'est ça, non? Du Staline. Enfin, je sais pas trop. Il y a les 380. Oh. Tout va bien, tout va bien. Tu veux que j'aille sur la cape? Attends, ils ont quoi? Il y a Riga aussi. De tomber sur le Kléber. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, le Riga est au milieu. Donc déjà, ça, c'est bon. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, je suis toujours pas spot, hein, moi non plus. Ah, un petit Montana. Montana qui n'est pas en dive. C'est quoi? Je sens que je vais aller tout droit, en fait. Côté, il y a un truc juste là. Je suis pas spot, hein. Moi, Yoshino. Attends, il y a quand même pas un truc qui a rushé. Ah, ça capte, hein. Ça cap, ça cap. Il vient de sortir de la cape. C'est sorti de la cape. Il est juste devant toi. Hein, je pense. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Yamato, ça va aller là. Ça va, ça va. Toujours pas spot. Il est vraiment en bordure. Hein. Ah, ça y est, je suis spot. Tu veux rentrer. Yoshi, dis-moi que je vais faire un truc. 5 overpen. Boost des moteurs activés. Regardez ces jolis torts. Sur le Montana et le Montana et le Chino. Après, j'arrive à toucher. C'était joli, très joli. Bah t'as fait ta game toi. Oh ça y est, ouais. Je peux toucher. Je touche rien, hein. Je suis très content de ne rien toucher. Je suis mauvais. Ah, moi je touche, mais c'est un ricochet sur un. Good show. Good show. On a déjà perdu notre Hanover. Super. Ouais. C'est beau. Hein. Il y a le Riga qui arrive. Ah, le Hayate. Alerte incendie. Ah, erreur critique du jeu. Ouh, 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 ça c'est pas beau, ça c'est pas ça. C'est pas top ça, Vice. Effectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de stabilité ou d'instabilité là ce soir. Que ce soit pour. Voilà, bon, l'Izumo, c'est bien. Ouh, la citadelle sur le Montana, 17. J'ai vu. Tu vas devoir l'installer. T'as essayé de faire. T'as essayé, Pisse, de faire une réinstallation, enfin de la réparation des fichiers. Tu sais, parfois tu peux réparer directement. Je vais aller caper. La répa n'a rien fait. Aïe, 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 aïe.
Ouh, mais ce super testeur, il est un peu lourdeau, là. Et lourdingue. Boost des moteurs désactivé. Voilà, il y a le Satsuma qui est intéressant. Moi, je vais caper hein, pour le... Je vais caper. On va caper, on va continuer. Entre Montana et Satsuma. Non, ça va. Merci, 17 000. Voilà. Ça va. C'est peut-être le pire. T'as coupé mode station. Ouais, non, mais il y a plein de problèmes là en ce moment, je trouve. Voilà. Encore 10 secondes. 10 secondes. Et après, je vais m'occuper du Satsuma. S'il t'en reste quelque chose. Hein. Ah, ça suffit. Hein. Ah non, là, ça suffit. Je veux des trucs, moi. J'en ai marre. J'ai que des miettes. Et encore, j'ai même pas de miettes. Moi, j'aurais capé. Allez. Ah, mais en fait, il est en marche arrière. Eh oui. Les torques, elles sont bien. Oh là là. Ah mais j'ai enfin collé un feu. Encore. Aïe, Axe 4. Axe 4, je suis pas d'accord. Voilà. Ah, je suis pas d'accord. Et puis un Sherman d'un Wargaming avec ton Dalian, d'accord. Je pense pas que je te laisse. Je t'avoue, je n'ai 120 000 sur le Satsuma, quoi. Je n'ai jamais, à part là, du coup, c'est la première fois que je vois un Sherman en jeu. Et encore, il est de l'autre côté, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, en fait. D'abord le CV, ensuite ça. Allez. Ouais, tu piques tout, là. Remarque le CV, on a tous essayé des moteurs activés. Yosh. Je spot. Vas-y, sur le Riga, oui. Non, il me fait. Ayaté. Oui. Allez. C'est tellement rare de voir un Ayaté. Détroyer une unité détectée. Je vous montre. Parce qu'il se moque, mais je suis là. C'est ça. Allez, est-ce que je peux faire des dégâts là? Allez, on va continuer à essayer de cramer un petit peu le Yosh. Hein, puis faire des dégâts quand même au bout d'un moment. Parce que ça suffit là. Non, c'est pas vrai que tu vas te le faire aussi. Non, mais c'est pas possible. Terrano qui abuse. Allez. Je sais pas trop ce que faire l'Ayaté hein, quand même. Hein. C'est assez bizarre, c'est assez particulier quand même parce qu'on fait jeu. Je l'ai touché. Torpille droit devant. Hop là. Hop là. Voilà, c'était les torpilles du Yoshino. En spray de large. Très bien. Toujours faire du spray de large. Toujours. L'Ayaté qui va essayer de venir te voir. Y'a quoi? S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture, là, je vois rien, là. Y'a rien à manger. Y'a rien à manger. Rien du tout. 200 000, mais on m'a piqué tous mes kills. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai fait quand même 38 au plus et 16 sur Ouais. Ah.
est à notre portée. Ce taillaté, ah là là, petit filou. Ça aurait été marrant que je te le casse lui aussi. Poum 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 poum. Ah, c'est une grenade balistique tellement merveilleuse du marceau. Notre équipe a pris l'avantage. Quand l'équipe ennemie fuit, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Bon, bah, je vais aller sur le Montana, tiens, les gars. Montana avec un camo argent. Comme ça alors. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin de faire des dégâts. Je veux faire des dégâts. Bon, j'ai fait des choses. Je suis obligé d'aller à portée de secondaire d'un Montana. T'imagines l'humiliation, tout ça pour réussir à faire vaguement quelques dégâts. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'ai quand même fait une cape cool. J'y croyais moyen, mais. Bon, je peux dire merci au Yamato qui est en train de me donner quelques dégâts. Boost des moteurs activés. Ah, c'est voilà quoi, hein. Ah non, mes torpes, ils étaient bien. Les obus, ils étaient bien aussi. Ah, je vous jure, bande de rapia. Bande de rapia. Mais ouais, j'ai du mal avec le marceau. J'ai beaucoup de mal avec la balistique. 210k, hein. GG. 210k, 13 torp. Il y avait un contrib. Il y avait un contrib aussi. Le compte 110. 110, je sais plus qui c'était. Je sais plus du tout qui c'était. Là, on va vous dire. Donc, bah voilà, voilà ce que ça nous donnait.